course, enfin course, si on veut. Donc ça ne fonctionne pas, par contre, avec les voitures autonomes. Enfin, tu vas être un peu plus là-dessus, mais j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, c'est avec la météo. Bah, comme les voitures autonomes ne peuvent pas changer les pneus, je pense que, voilà quoi. Il faut être 6 joueurs, ou 3 joueurs, ou 2 joueurs, minimum, quoi. Donc, et le maximum de tours qu'il faut faire pour pouvoir insérer la météo, et la météo, c'est une add-on hein, qu'il faut acheter, hein, 3,99 je crois, il faut minimum 20 tours. Il faut faire au moins minimum 20 tours. Voilà. Bon, c'est parti. En fait, sur le Smart Race, le changement de météo, il se fait ici. Là, on voit le soleil, et dès qu'il y aura commencé à avoir de la pluie, il y aura un nuage, et après, nuage plus pluie. Juste ici, ça va changer. Normalement. C'est parti. Ouais, c'est juste pour vous faire voir un peu, hein, mais. Bon, j'ai pas mis le son des voitures, hein, parce que comme ça, moi, on entend mieux. Nouveau record personnel de temps au tour par Algar. Tour le plus rapide par Algar. Algar a fait un meilleur temps personnel au tour. Algar a battu le record du tour. Algar a fait un meilleur temps personnel au tour. Algar a battu le record du tour. Algar a fait un meilleur temps personnel au tour. Algar a battu le record du tour. On dirait qu'il va se mettre à pleuvoir très bientôt. Attention. Un scratch. 3, 2, 1, go! Il a commencé à pleuvoir, vous devriez passer aux pneus plus rapidement. Alors donc là, comme j'ai pas les pneus pluie, la voiture en fait a ralenti à 30%, enfin à ce que vous avez sélectionné. Moi je l'ai mis à 30% je crois, donc voilà quoi, elle roule qu'à 30% tant que vous n'avez pas changé les pneus. Algar est terminé. Algar a terminé de ravitailler. Vous avez un temps de changement des pneus, hein. Je crois que j'ai mis 6 secondes, mais après ça va être de Algar a terminé de changer ses pneus. Ça va de 0 à 20 secondes je crois. Bon après la vitesse est réelle. Et remise, alors temps de pluie c'est 90% de la vitesse, hein. C'est pas plus. Hein. Bon, enfin, déjà c'est bien. Hein. C'est pas à 100% quoi, hein. C'est 90. Mais bon, on voit pas trop le changement, 90, 100, voilà. Quoi. Si j'accélère, voilà, on voit pas trop. Hein. Donc là, j'ai les pneus pluie. Là ici vous voyez que, ici le nuage avec la pluie là qui tombe là, je sais pas si vous voyez bien. Il faut se dépasser. Avec la pluie qui tombe là, le nuage blanc et la pluie qui tombe, voilà, comme quoi il pleut. Il ne reste que 10 tours. Algar est le leader. Bon, normalement, il y a aussi le changement de pneus quand la route redevient sèche. Je sais pas si ça va le faire. Ça dépend des fois. C'est pas tout le temps, apparemment. Hein, Algar doit faire le plein. Je sais pas comment c'est calculé, ça, mais. Il ne reste que 5 tours. Algar est au stand. Algar a terminé de ravitailler. Bon là il continue de pleuvoir, hein, ça n'a pas changé. Algar est le leader. Et si la route redevient sèche et que j'ai les pneus pour pluie, en fait la vitesse redescend à 30% ou 20% suivant ce que vous avez réglé. Hein. Il ne reste que 2 tours. Attention, plus qu'un dernier tour. Voilà, il ne va pas y avoir de changement de. Le vainqueur de la course est Algar. Voilà. Donc là, il n'y a pas eu changement, mais je crois qu'on peut. Hein, après, ça dépend peut-être le pourcentage qu'on met. Parce que là, j'ai mis
probabilité de changement, enfin de changement de temps, en fait j'ai mis 70%. Donc après on peut diminuer, peut-être que si on met 50, après ça change en fonction de, je sais pas. Bah, un coup c'est, hein, ça arrive et des fois ça n'arrive pas hein, de changer les pneus. Voilà, j'ai changé une fois, mais j'ai pas rechangé pour les pneus secs. Donc, mais sinon c'est faisable. Voilà. Voilà, bon, j'ai roulé tranquillou. Hein. C'est pas pour la vitesse, hein. C'est pour vous montrer en fait l'option météo. Voilà. Allez, à plus.